Salut à tous, c'est Seven. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui pour l'épisode 18 de la saison Scum, sur serveur officiel évidemment. 3 jours que j'ai pas fait de live, mais j'ai pas mal avancé sur la base. J'ai fait quelques petites modifs pour qu'elle soit plus protégée. Bon, le véhicule qui bouge tout seul, ça, on adore. Ok. Essayer de le remettre tranquillement comme il était. Et là, il a bougé vraiment tout seul. Ouais, je vais peut-être activer l'image, ça sera peut-être mieux. Ok, bon, ça commence bien. Salut Yannick, comment ça va? Les problèmes de voiture qui était mal garée, voilà. Bon, c'est pas beaucoup mieux, mais ça fera l'affaire. Comment ça va depuis le temps? Hop, super. Donc, comme vous avez pu remarquer, j'ai fait quelques petites modifs à la base. J'ai fait plusieurs tours de rondins pour être bien protégé, et comme ça, j'ai aussi une visu de ce qui se passe autour de la base. Ah, ça va un petit peu mieux. Alors attendez, pourquoi ça rame pour vous? J'essaie de comprendre. Parce que là, ça va mieux. Ouais. Donc j'ai un petit peu modifié la base. Salut Détra! Bienvenue à toi. Je crois que t'es le petit dernier. Ou l'un des derniers en tout cas. Je sais pas si tu connais déjà un petit peu la chaîne. En tout cas, bienvenue, t'es le bienvenu. Et ici, il n'y a que des gens sympas. Généralement. Très souvent. Ok. Une petite balade. Bon, la voiture est safe. Là, il faut que je finisse mes pièges. Il fait jour, je vais laisser ma vision nocturne dans le secteur. Bon, par contre. Est vraiment mal placé quoi. Je pourrais mieux se placer, mais bon, ça c'est les galères dans ce Scum, c'est pas très grave. Ok, je voulais ranger ça dans le coffre. Je vais y aller vite fait. Je vais juste laisser ma vision nocturne, il fait jour. J'ai changé d'arme, j'ai mon fusil à pompe. On va pouvoir aller faire un petit tour dans le secteur. Ah yes, gros live. Ouais, normalement ça va. En plus en duo, hein, j'ai pas donné l'info, mais Faz devrait être là en plus pour le live. Vous avez pu remarquer, j'ai un petit peu moins la voix de fatigue. Oups. J'ai un petit peu moins la voix de malade. Donc ça va un petit peu mieux. Et là, on sort de la base. Un petit tour dans le coin, voir ce qui se passe. Ouais, ça va être un déo, un duo, un déo. Qu'est-ce que je raconte? Alors, par contre, je suis plus malade, mais j'ai encore beaucoup de bêtises. Ça n'a pas changé ça. On va faire un tour au village, voir si on retrouve du monde aujourd'hui. Il me faut pas mal de silos pour faire des mines. Bon, il y a un petit truc qui m'embête quand même. Ouais, j'ai une meilleure voix, ça c'est clair. Il y a un truc qui m'embête quand même, c'est que. Ouais, comme d'hab, il faut faire des mines. C'est que il y a. Enfin, j'ai l'impression que le serveur est en train de se dépeupler. Et ça, c'est le genre de truc qui me gêne beaucoup quand je joue à Scum. Ah merde, mais il n'y a pas de place en fait. Ah d'accord. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place du tout. Je vais essayer d'en faire un petit peu, mais là, je ne vais pas trouver.
Ça, je vais le prendre, je vais l'enlever. C'est pas des fusils très haute qualité. Et Aesval non plus, hein. J'ai pu voir sur la dernière vidéo. A donné des boutons celle-là. On va essayer de faire un peu de place pour au moins mettre. Essayer de trouver un peu de place pour mettre les deux snipes. Il manque pas grand chose. Ça devrait passer. Voilà, c'est un peu du Tetris ça. Ah, mais salut Francky. Ah bah, ça fait plaisir d'être là. Tu joues aussi à Scum ou t'es juste un fan blasé qui peut pas jouer? Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup le jeu, mais soit par manque de temps, soit parce qu'ils ont pas le PC, soit ils sont sur console. Là, ils peuvent pas jouer du tout. Et je les plains. Donc j'espère que de temps en temps mes lives leur donnent un petit coup de peps. Mais faut pas oublier qu'on voulait quand même attaquer la base de l'autre mec, donc par contre je dois vous dire, pour être franc avec vous. Je sais qu'on avait conclu qu'il fallait. Ah oui, c'est. Si, si. J'allais dire, je sais pas où elle est. Mais si, je sais où elle est. Bon, par contre, j'ai plus de place et ça, c'est un peu chiant. Je peux être vulgaire. Bon, il faut que je vire un truc. Il faut que je refasse d'autres coffres. Tant pis. Y a pas des balles que je peux combiner là. On va peut-être ça. Et ça, c'est du car, du M1. Voilà. On va finir comme ça. Moi aussi, j'espère qu'il y aura du fight. En tout cas, quand je joue à Scum, c'est pour ça principalement, quoi. Y a pas de drop. Dimanche, c'est clair. J'ouvre le garage, on bouge avec la voiture. On va faire un tour de secteur, on va essayer de voir du monde. On descend, on tire. Quitte à la perdre, c'est pas grave. Ah, ça donne envie, hein. Salut le Vrenchy. Comment ça va, les amis? Vous êtes déjà chaud, vous êtes au taquet, hein. Je fais un live sans prévenir, vous êtes tous là, ça fait plaisir. En même temps, en fait, j'aurais bien aimé prévenir sur YouTube. Personne ne voit les notifs, c'est mal fichu leur partie communauté. Sur Twitch, bah, on peut pas faire d'annonce. Pas de la dernière minute. C'est pour ça que de temps en temps, je vous disais abonnez-vous sur Twitter, comme ça j'aurais pu vous d'annoncer les trucs à l'avance. Ah non, elle est là. Et bon, Twitter, c'est vrai que j'utilise pas beaucoup et puis j'ai pas grand monde dessus, donc. Ok, ça on va le laisser ici. Je veux plus en entendre parler de ces. Un petit pont pour le cas où. On a Aesval, c'est génial comme arme. Hein. Et on est bien. Ça aussi je le laisse. L'appel, on la remet dans le pantalon. Et on va faire un tour en ville. Faut se trouver des silos, des ennemis. Oh, hello panda. Bienvenue à toi, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous êtes tous en forme parce que ça fait 3 jours que j'ai pas fait de live. Attendez, je vous me fais un petit tour de la base. Donc j'ai tout doublé les murs. Ici je ferme quand je me déconnecte. Ici donc il y aura un couloir où je vais mettre plein de mines. D'ailleurs je laisse cette caisse si quelqu'un passe, ça va lui donner envie de venir. Et il y a une mine devant. Une porte ici. Ici, je vais blinder de pièges tout le long. Alors, pour le moment, c'est des pièges comme ça, mais je mettrai aussi des mines. Là, pareil, piège, 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 piège. Ici, c'est mon petit repère vite fait. Piège, 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 piège. Et on arrive ici au coin véhicule où tout est doublé. Et j'ai fait des passerelles pour pouvoir guetter ce qui se passe autour de la base. Voilà ce que j'ai fait en live pour pas vous prendre la tête avec ça. Comme ça, si un mec y passe. Bang, bang. On va pouvoir tirer un petit peu. Hop, la voiture a bougé, c'est elle qui bouge toute seule. Je suis pour rien. Non, non, je casse pas de porte. J'ai cassé déjà 3 rondins pour sortir, c'est le maximum. Allez, direction la ville. Vamos. Alors, je vous avoue que quand je me suis connecté les 2 autres jours, je suis pas sorti de la cabane, hein, donc. Je sais pas s'il y a eu des bases qui sont construites autour.
Voilà, je suis pas allé plus loin que ça. Je suis pas allé revoir la base qu'on avait vue, voir si la porte était ouverte ou pas. C'est un petit peu suspense. Il fait pas nuit. Je vais demander de plus. Par contre, il faut que je trouve un moyen, voilà, d'avoir toujours ça à portée de main pour que je puisse faire tac, tac si besoin. Voilà, parce que ça, c'est vraiment une lunette qui est sympa si on veut tirer un petit peu de loin, mais au corps à corps, il met trop de temps à viser avec. Le temps de mettre ça. Oh, il y a quelqu'un qui est passé au fond. Sans blague. Je sais pas si vous avez vu. Oh là là, il y a du monde. Allez, je rush. J'ai vu un mec qui est passé vers la gauche en courant. Ouais, ça c'est vrai. Ah, j'avoue que j'ai un grand écran en plus. Dès que je vois un petit truc bouger. Bah, je porte des lunettes, hein, vous verrez sur les lives. Enfin, la webcam arrive bientôt. Maintenant, il y a un mec qui a squatté l'école. Il y en a un qui est mort. Bah, je crois qu'il est mort, hein. Je l'ai vu tomber. Je l'ai vu tomber, hein. Vous l'avez vu tomber ou pas? Et du coup, je me mets un doute tout seul. Je l'ai pas eu, sérieux? Ici, il y a un cadavre là. Non, même pas. Mais non. J'ai vraiment un doute. Le problème, c'est que si le mec m'attend. Ah merde. Putain, j'étais persuadé de l'avoir couché, le mec. Ah, c'est pas possible. Non, il y a un cadavre par terre. C'est bien ce que je pensais.
pas d'armes, je crois. Y'a rien qui m'intéresse à la rigueur, ça. Bon, pas terrible. Je les vois pas être derrière moi. Désolé, je bouge comme ça, c'est pour éviter de me faire shooter s'il est au snipe. Ok, bon. Trouve ça bizarre que le mec soit parti. Il y avait rien d'autre? Des fois, vous savez, les armes peuvent tomber. Regarde au cas où, mais non. Les mecs de la dernière fois, je pense. Ouais, ça commence bien. Je pense que depuis le temps, 3 jours, parce que ça fait 3 jours hein, que j'ai pas eu le temps de ce stuff quand même. Hein. J'étais pas fou, hein. J'avais vu du monde courir. Enfin, je serais bien parti à la chasse du mec, mais j'ai pas du tout vu où il est parti, quoi. Je vais tenter un truc. Peut-être pas une bonne idée, mais bon. Ah, j'ai cru l'avoir vu même. J'ai les yeux partout, hein. Enfin, j'essaie. Ah, il y a un Z. Si le mec il était passé par là, il l'aurait attiré. Fais gaffe quand même, parce que au corps à corps, il y a un fusil à pompe, je meurs direct, hein. Oh, c'est pas le moment, toi, putain. J'ai pas de chiffon, il en avait plein sur lui l'autre, mais. Ah, je pensais qu'on voyait le corps, mais. Ouais, désolé, hein, je lis pas trop le chat pour le moment, je voulais voir si le mec. Forcément, le mec il a quand même envie de voir si. Il avait peut-être pas de loot, il s'est dit il n'y a rien à prendre. Bon, qu'est-ce que je peux. Bon, je vais être obligé de couper ça, tant pis. Oh là là! Regardez! Ah, c'est le genre de bug que j'aime pas. Il avait la place pour poser la putain de hache, je suis désolé d'être vulgaire. Hein. Ouais, en plus, il a mis tous les chiffons en bas. Bref.
Il y a de la place pour mettre sa putain de hache dans le sac. Il a préféré la jeter quoi. Oh, il y a Chacal. Chacal qui est venu. Vous vous rappelez de Chacal? Il vient d'arriver sur le serveur. Il y a peut-être des renforts qui arrivent là? M'a vu en live ce petit malin. Le retour du chacal. Baguette. S'il se passe rien, je vais sortir. Hein. Avec un peu de chance, je vais recroiser le gars. On a une belle visu sur le commissariat, n'empêche ici. Hein. Bouge, hein. Visiblement, ils reviendront pas. Moi, j'étais quand même à longue portée, j'ai dû tirer quand même pas mal de balles, hein. Peut-être m'en rester au moins une quarantaine, j'espère. Ouais, 53 balles, c'est bon. On va mettre les 3 que j'ai dedans, les 6 que j'ai là. Ah, oui, il connaît pas mon pseudo. J'ai répondu, mais il sait pas que c'est moi. Ok, bon, et ben on se casse. Voilà, c'était là. C'est ça que je vais couper pour voir. Oui, ma blessure. Bon, les chiffons ils veulent pas. Hein. Décidément, soit. Dis les chiffons. Hop. Oh! Un beau cadeau, regardez, petite récompense. Je joue pas au gun, mais il est tellement beau en or. Et un autre gun, mais bon, je vais le prendre. De toute façon, on va tout voler. Ça peut toujours servir à des fringues si jamais un jour je meurs. Et bah. Avant de sortir. Pensez que je peux l'enterrer dans le cimetière, le mec? Il était pas loin, hein. Bon, son pote, par contre, je sais pas si c'est vraiment un ami. Il est parti en courant. Hein. J'allais dire au début du live, inquiète, c'est que le serveur commence à se déserter. Ça m'ennuie. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai créé la saison et le personnage, pour vous donner un ordre d'idée, on était toujours entre 45 et full régulièrement. En gros, serveur bien 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 peuplé. Là, quand je me suis connecté, on est un soir déjà. On était 20 et 25. Donc c'est, on peut dire que c'est beaucoup, mais c'est pour moi c'est pas beaucoup. Et le but dans Scum, surtout dans des serveurs où les maps sont grandes comme ça. Ah ouais, c'est clair, la prison de son coup. Le but des serveurs comme ça, et les maps sont grandes, c'est quand même croiser du monde. Parce que si je passe mes journées à loot un village, un bunker, une base militaire, mais à croiser personne, bah, je trouve que c'est moyen. Donc ça me ferait vraiment chier de tout recommencer si jamais il n'y a plus personne sur le serveur. Et en même temps, jouer sur un serveur vide, c'est pas jouer. Bref. Pour le moment, ça va. J'ai vu que il y avait plus de monde tout à l'heure connecté. Là, maintenant, on est 28. 29 même. Et c'est pas énorme. C'est pas énorme non plus.
Quel âge j'ai? Alors, c'est une question piège ou pas? Je vais te donner un indice, j'ai pas de cheveux. Et pour autant, je suis pas un dinosaure non plus. Non, non, j'ai... Pour être franc et précis, j'ai 37 ans. 37. Attendez, il y a Chacal qui me parle en même temps, je vais dire que je suis en live. Hop. Ah bah ça va, un petit jeune. Alors, c'est vrai que... Alors, j'étais plutôt même surpris, mais j'ai beaucoup... Et tant mieux, hein. J'ai beaucoup de jeunes, on va dire, en tant qu'abonnés. Et j'ai aussi beaucoup de mecs qui ont à peu près mon âge, entre 30 et 40 ans. Et ça me rassure de ne pas être le seul geek. C'est bien. Ah, top. Ah, c'est nice. Je te souhaite une bonne réussite, Yannick. Et quelqu'un de bien, ça fait pas mal de temps que tu me suis. Et... Enfin, vous êtes tous des gens bien, franchement. J'ai rien à dire. J'ai une communauté en or. C'est pour ça que ça me fait plaisir de faire des lives, parce que je pourrais aussi jouer tout seul, sans parler, quoi. Moi, si je fais le con, personne ne le voit, etc. Mais j'aime bien être avec vous. Il y a des questions, des machins, des échanges. Quand Crafty vient, il fait des bruits, il me fait sursauter. C'est incroyable. Bon, là, actuellement, il est très très pris par le boulot. Il n'a pas beaucoup de temps pour lui, donc pas passer régulièrement. Mais bon. Non, non, j'ai vraiment de chance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, pardon. De vous avoir, et ça, c'est... Ça vaut de l'or. 26 ans, ouais. Du moment que tu tires pas sur les gens pour fouiller leur sac à dos, ça devrait bien se passer. Ah, 26, c'est bien, hein. Si, c'est un bel âge. Moi, j'ai trouvé que les plus belles années de ma vie, c'était à partir de 30 ans. Parce que t'es encore jeune pour faire ce que tu veux. T'as assez de maturité pour faire les choses intelligemment. Et en plus, t'es généralement, sauf problème, ça peut arriver, hein. Et t'es aussi indépendant financièrement. Donc c'est une bonne un bon âge. 26, c'est pas mal aussi. On approche. On a dit ça, oh non, pas la trentaine. Pour des cougars, ouais, c'est pas mal. C'est clair. Ah les gars, ils ont tous été faits. Et s'ils sont pas sortis avec un véhicule, c'est qu'il n'y en avait pas. Ils ont dû, aussi dû faire le commissariat, c'est pour ça qu'il y avait quelques balles. Bon. Bon, en fait, je. Assez vite fait. En fait, ils sont pas venus chercher la ferraille, ils en veulent pas. Et à mon avis, ils ont tout pris. Bon, lui, comme d'hab, il vient toujours quand il faut pas. Allez, on va tirer les problèmes. Il est où? Pourquoi il... Il y a un fusil à pompe qui est en bon état. Ah bah, il y a du monde. Il y a un fusil à pompe qui est en bon état, mais tout le temps il bug celui-là. Hein. Oh, salut Satreg, welcome, bienvenue. Eh ben t'as pas loupé grand chose, enfin si un peu de PVP, j'ai tué un mec, voilà. Son pote est séparé, un lâche. Et puis là je commençais à fouiller le village, mais... Et depuis qu'on a déménagé, deux lives, deux morts. Hein. Bon, ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal. Hein. Je sais pas s'il a répondu chacun. Je suis posé même tour qu'avant. Ah, ça c'est un nom de code que personne ne peut comprendre, sauf Chacal. Ça se trouve, je vais le croiser.
Oh! Ah putain! J'avais vu le dessus du véhicule, je pensais qu'il y avait une voiture, je suis waouh, c'est top! En même temps, je savais pas où la mettre, mais. Non, il n'y avait pas de voiture. Ah, les deux mecs ont passé sont passés dans le village, hein, donc. Yes! Ah oui! En plus, je viens de passer un petit coup d'aspi, intérieur-extérieur. Elle est impeccable là. Impeccable. Monde qui squatte le secteur là. Sans ma permission, comme ça là. Ça se trouve, ils ont fait leur base là-dedans. Faut que je fasse gaffe qu'ils aient pas mis des mines. Ah ouais, d'accord. Donc t'as des mecs comme ça qui prennent les box sans rien me dire. Oh, c'est mon village, c'est. Bon, va falloir que je vienne foutre le bordel un peu ici. Ok. Mais en fait, depuis tout à l'heure, faut pas penser les blessures là. Je suis en train de crever là. Tous mes chiffons, ils ont disparu. Je viens de penser là. Regardez, j'ai presque plus rien. Ah ouais. Ah, comme quoi, hein. C'est quoi? Un petit coup de zombie, j'ai perdu 40% de vie. Ah non, mais nickel. Franchement là, on a fait du detailing. Là. Elle brille. Elle brille. Elle est magnifique. Par contre, j'avais pas pensé à récupérer mes vies là. Je suis en train de crever comme une merde. Je vais faire du tuning. Là, je suis en portugais. Hein. On a quand même. Comment dire, une réputation de faire du tuning sur les voitures. Hein. Bon. Vous savez quoi? J'avais posé les 3-4 trucs que j'ai trouvé sur moi. Et on va aller faire un tour vers les bases militaires et tout. Il y a peut-être plus de monde là-bas. Ah, il y avait un drapeau aussi. Regardez. Ah non, c'est vrai que c'est trop petit. Attendez. Hop. Vous allez me dire que j'ai une belle vue, mais. En fait, non. Hein. J'ai juste des lunettes, mais. Et surtout un bel écran. Regardez, drapeau là. Tu feras pipi en arrivant, on n'est pas loin. Bon bah les mecs ils ont pas de chance, hein. Franchement c'est connecté. 2 minutes après je vois un mec courir. J'ai anticipé un petit peu leur course. Je suis tombé juste derrière eux. Donc vraiment vraiment pas de chance quoi. Alors attends. Je lisse en regardant quand même ce qui se passe autour de moi. Ils ont aussi une maison à l'entrée du village. Je sais pas si tu te rappelles, il y a un drapeau. En contrebas. Ouais. Mais je suis pas sûr que ce soit eux, hein. C'est peut-être une ancienne base qui a disparu, ça. Qui a peut-être été détruite ou. Ce que je sais, c'est que j'ai pas pensé à le faire. Mais j'ai. Comment dire? Tu sais, j'ai les deux snipes que je peux réparer. Et je dois avoir un des viseurs qui s'adapte au snipe. Il est là le drapeau là. Je vais avoir un diviseur qui s'adapte au Nagant. Je pourrais jouer au snipe bientôt. Snipe et AK. Au lieu de changer de lunettes. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire à la prochaine game. Ouais, je peux faire ça. Si tu veux. Je ferai une petite vidéo, un petit tuto. Petit tuto, petite vidéo de 3-4 minutes pour expliquer. Attendez, il y a Chacal qui est juste à côté, on est dans le même secteur. Je vais lui dire de passer à la base, je vais l'inviter. Hop, comme ça évite que on se tire dessus quand même entre amis, ça serait dommage. Et peut-être que. Enfin, peut-être même un trio dimanche. Ouais. Bon, visiblement c'est calme. Ah non, mais pas de problème, non, c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée.
Je vais l'attendre dedans pour pas tirer sur un mec que je connais pas. J'allais poser ce que je viens de loot, c'est rien d'intéressant mais. Attendez. J'ai les 5 clous sur moi? Ah voilà. Un piège de fait déjà. Alors ça c'est pas terrible. Et qu'est-ce que c'est chiant? Là tu marches dessus, tu commences à boiter. Veste jaune, casque allemand. Là quand tu commences à boiter, c'est mort. Et tu perds beaucoup beaucoup de vie quoi. Hop, ça je range ici. Enfin je range, je fous là-dedans, on verra pour plus tard. Les trucs un peu de valeur, je les mets en haut pour pas oublier. Pour les mettre ailleurs. Là je vais en avoir besoin pour faire la base. Les balles. Un petit peu. Enfin surtout ces balles-là. Je crois qu'il y arrive. Salut Joe! Salut tout le monde! Il y a peut-être d'autres qui sont arrivés entre temps. Ah, j'ai oublié de poser les piles et tout. Putain, il y a un drop. Il y a un drop. Il est là, il est là. Il y a un drop, il y a chacal. Attendez, eh, ça va se transformer en duo. Je vais aller sur sur Discord. Il va parler avec nous. Il y a un drop qui vient de tomber. Ce serait dommage de pas en profiter. Qu'est-ce que vous en pensez? Dès que je suis en pause. Respiration, je me mets sur le Discord. Ouais, c'est parti. Ça serait marrant de retrouver les deux mecs de tout à l'heure, tiens. Eh, ça me fait plaisir d'avoir un guest. C'était pas prévu, hein. C'était vraiment pas prévu. Il m'a juste dit un jour je vais revenir sur Scum. Il m'a dit sur quel serveur tu es. Je lui ai donné le serveur. Et c'est tombé le soir où je joue. Franchement. Eh, je pourrais pas mieux faire, hein. L'autre est parvenu. Je sais pas s'il me suit. Ouais, il me suit. Et je vais l'inviter sur Discord. Je sais pas si je vais au bon endroit, mais je pense que oui. Ok, on va essayer de faire ça vite fait en live. On se dépêche. Scum live. Comment je fais pour inviter quelqu'un? J'y connais rien à Scum, putain. Ah, Discord. Tiens, connecte-toi sur Discord si tu peux. Ça, c'est le problème, c'est quand on a de personnes sur Discord et que ils ont pas les mêmes noms, c'est un peu plus galère. Ouais, ouais, t'inquiète, mais en fait j'ai un chat spécial pour ceux qui jouent en duo avec moi, comme il n'était pas dedans sur cette saison. Ouais, c'est lui, il peut s'appeler Sherical, mais genre son Discord c'est peut-être Lapin 94. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne de beau? Oh, c'est nul! T'as une arme, chacal? Oh, je vais lui prendre, au cas où.
Je crois qu'il vient de commencer, il a pas grand chose sur lui donc ça je vais prendre, c'est toujours utile. Ah, je vais même en prendre deux. Je vais lui donner un peu de stuff, le pauvre. Y a pas de la bouffe normalement là? Elle est où? Voilà. Ça c'est toujours important. Et après le reste, ça je vais le prendre pour faire les balles. Et ça on va en prendre quelques-unes parce que c'est bientôt la dèche. Pas prendre plus que ça là? Oh ça c'est moche. Ça c'est moche. Oh, ça sert vraiment à rien. Ouais c'est mal rangé franchement. Voilà, on est bien. T'as une arme toi ou pas? Je crois qu'il a pas d'arme. Bon. Par contre là je suis archi lourd. Il a même du mal à courir. Alors, est-ce qu'il est revenu sur Discord? Ah, je suis désolé, c'était pas prévu du coup. Ah, c'est peut-être là. Alors, en fait, c'est lui. Bon, je vais être obligé de. Hop. Je vais jeter l'arme par terre. Pas pipi, je vais essayer de pas lui pisser dessus. Quel coucou. Ah, chacal est là. Salut. Salut. Comment ça va mon ami? Moi ça va bien et toi? Bah ouais, je suis en live avec, avec tout le monde sur Twitch et je disais que c'était une belle coïncidence que tu sois là aujourd'hui. J'ai 20 minutes de jeu, comme d'habitude, un gros sac à dos, et puis tu vois, à peine on se croise, on chope un drop. Un drop. J'ai jeté un fusil à pompe et des balles par terre là, si tu veux ramasser. C'est Ah ouais. ce qu'il y avait dans le drop. Ça marche. Ah, y a encore plein de trucs dedans, mais je suis full. Ouais, mais y a rien de dingue. Moi j'ai pris des pansements, j'ai pris des machins, il y a les bols, les boîtes de boulons. Ouais, j'en ai pris 3 là. Ah bah attends, maintenant que je t'ai donné l'arme, j'ai de la place, j'y vais vite fait. Ah ben, on s'est connecté le même jour, la même heure. J'ai demandé de plus. Je me suis connecté, je te dis, un quart d'heure, 20 minutes, et puis. Et en passant, en plus, j'ai spawn pas loin, et en passant, je vois là-bas, je fais, oh, ça me dit quelque chose, ça. Ça sent le Seven, une base ratée comme ça Ah qui, ouais. ça? Cette base. Non, mais l'endroit et tout, c'était le même endroit qu'on avait avant, donc. C'est pour ça Exact. que j'ai commencé à mettre un drapeau sur la tour, bah, où j'étais avant aussi, quoi. Ouais, ça me dit. Ça me rappelle. Bah tout à l'heure je viens de tuer un mec hein, il y a du monde de village hein. Ah c'était pas toi hein, je voyais un mec courir Non, avec non. son pote. Là, je suis parti hein, on peut y aller. Et j'en ai tué un des deux, l'autre il s'est barré, il est plus jamais revenu. Suis juste en train de recharger le flingue. Ça marche. Ah, t'es au courant que j'ai une voiture? Non, non, mais j'ai rien suivi, j'ai même pas suivi tes lives. Oh c'est inadmissible. Non, non, c'est pas grave, je plaisante. Ah, il y a une voiture dans la base. J'ai rien suivi du tout, tu vois. Si j'avais regardé un peu vite fait celle que t'as mise sur les nouvelles mises à jour, mais même ça, j'ai même pas vu en entier, tu vois. Ouais, ah oui, ça fait que ça doit faire un bon mois que t'as pas joué, un mois et demi quoi. Ouais, plus, ouais.
Ouais, bah depuis... Depuis septembre. Ouais, ouais presque 2 mois. Depuis août même. Bienvenue. Welcome. Bon, les mecs, je les ai tués juste là, tout à l'heure. Ah ouais. Bah ouais, je commence le live, je vois un mec courir au fond du village. Et je suis tombé sur eux, j'en ai buté un, mais... Il n'y avait rien, comme par hasard. Ouais, on va recommencer à courir le village. Oui. Bon, il est crevé, il a trop de poids, il en peut plus. Pouf. Ah ben, j'ai pris 2 caisses à outils rouges et tout. Ouais, j'en ai pris qu'une, j'ai pas de place pour prendre l'autre. Alors, il y a un mec sur le chat qui avait le même problème que toi, ou je crois que c'est un ami à lui. Tu te rappelles à l'époque où dès que tu te connectais, ça plantait. Ouais, la galère. Ouais, et je crois que de mémoire, le problème que t'avais, c'est que t'avais une barrette de RAM qui était morte. Ouais, ça avait claqué une barrette mémoire. D'accord, et dès que t'as changé, dès que t'as rajouté une barrette, c'était bon. Nickel. Bon. Au début, on pensait que c'était ta connexion d'ailleurs, même. C'est quoi toutes ces bestioles? Ah, c'est parce que je suis pacifiste, parce que je suis l'ami des bêtes, moi. Il y a des bestioles partout. Un cerf, un sanglier. Bah, on n'a pas de bouffe, hein. Enfin, si, j'en ai pris dans le drop. Comment ça va, Geronimo? En forme? On a des Apaches avec nous, des Indiens. Je crois qu'il a mis une barrette de 16 ou... J'ai mis... j'en ai 24 maintenant, comme ça je suis plus emmerdé. Ouais, t'as 24 au total, quoi. Ouais. Bon, moi j'ai 16 au total et ça marche aussi, donc... je pense que pour être tranquille, il faut au moins du 16 Go sur le... sur le PC. Ouais, j'avais 16 et puis on avait une de 8 qui avait cramé. C'est pour ça qu'il les connaît. D'accord. Oh, il pleut. Bienvenue. Allez. Allez, bah, au dernier live, j'ai drop un barrette, ce qui est rare. Et bah, moi aussi ça va, j'ai un euro. Ouais, c'était un live imprévu, et puis le plus gros imprévu, c'est d'avoir croisé Chacal. Il m'a fait la surprise, il savait que j'étais sur le serveur, il savait pas où j'étais par contre. Ouais, et puis je lui dis, j'ai spawn sur la case là, et je me suis dit, tiens, je vais aller jeter un œil, et bingo. Ah bah voilà, le mec Francky, il avait 8, et en solo ça passait, sur le live ça plantait, et vient de racheter 8, donc avec 16 ça devrait passer. Ouais. Bon, la base elle est toute fraîche, hein. Je l'ai commencé il y a 5 jours, mais j'avais joué 2 fois quoi. Donc l'entrée elle est sur le côté, c'est ici que je referme. J'ai pas pu poser encore les mines et tout parce que j'ai pas de stylo. Ça c'est la galère. Bon, il y a 2 mines hein, mais... Stylo ? Parce qu'il faut des stylos maintenant pour faire les mines ? Exactement. D'accord. Je vais leur montrer comment qu'on fait des mines anti-voiture avec 2 assiettes. Ça c'est bon ça. Alors Chacal c'est le pro de... des pièges. Attends. Pièges, ouais. Tiens, referme. Là, tu reconnais hein, ces pièges-là, on connaît ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il veut que je les répare? Non, qu'est-ce qu'il veut? Ah, tu les as pas finis? Non, je les ai pas finis. Bon, là, t'as une espèce de petite base. Alors. Excusez-moi, je fais de l'agent immobilier. À gauche, petite pièce vite fait. Parce que à la base, je suis seul, hein. Ou avec phase, on est que 2. Donc ici, il y a un puits, un truc de stockage, un lit. Et de quoi faire du feu. Bon, il est mal placé le truc, je sais, mais bon. Je l'ai fabriqué après et c'était le seul moyen que ça rentre. Et là, t'as une autre partie de base. Là. Fameux couloir où on s'y perd. Et là, t'as le camo pick-up. Joli, ouais. Voilà. Le camo. Yes. Voilà, il doit y avoir 2-3 trucs dedans, mais rien de. Rien de. Ah, si, il y a une caisse de bordel, je crois. Ah, oui, non, elle est belle. Regarde. Y'a un peu de stuff dedans. Ah oui.
Là, je rajoute des caisses rouges. Le fusil, je vais le décaler d'ailleurs. Je vais poser les boulons là-dedans, tiens. On va aller faire un petit tour du secteur, en tout cas pour ma part. Si tu veux, je sais que toi t'aimes bien aussi faire un petit coin de base dans un coin. Si t'as besoin de Ouais, quelque mais chose, tu te sers. j'avais commencé, tu sais, bah, la tour comme à l'ancienne partie, là. La Ouais. tour qui est un peu plus à l'ouest. Ah, mais j'ai un stylo là. Ah, mais je peux faire une mine. J'ai déjà fait le drapeau là en 20 minutes, et puis je vais commencer à la faire tranquillou, quoi. Que ça nous fasse d'autres points de spawn. Bah, y a Géronimo qui est content de te revoir, tu vois. Salut Géronimo, ouais. Je vous entends pas, mais enfin, je lis pas vos trucs, c'est écrit, mais. Est-ce que, à tout hasard, t'as un morceau de ferraille sur toi? À tout hasard. Ah ouais, ouais, je suis plein. Ah bah. Mais comme d'hab, tu sais, je Passe-moi ramasse tout. un petit morceau, je vais faire une mine. Il est dans la caisse. Bah, je vais me délouter dans la caisse, hein, t'emmerdes pas. Ah oui, je l'ai vu. Super. Ouais, je t'en Bah, ai mis tiens, un. tu peux délouter ici, hein, si tu veux mettre ton bordel dans le. Il y a un meuble ici qui est totalement vide dans le coin là. Ah, nickel. Tu vois. Hop. Bah, je vais faire une mine de Voilà. plus, c'est toujours ça de pris. Oh, il y a un pont dedans quand même. Ouais, tout ce que tu vois ici, tu peux prendre tout ce que tu veux, même dans l'autre armoire là. Je vais déjà me vider. Ouais, je peux faire des cadenas, mais j'attends d'en avoir 10 pour faire des cadenas en argent. J'en ai sur moi. 6, 7, j'ai 8 cadenas là. J'ai déjà purgé le village en arrivant. Ah, ah putain, on aurait pu se croiser, hein. On aurait pu se tirer dessus, ouais. Enfin bon, j'ai avec des flèches. J'allais au village et c'est là où j'ai vu les deux mecs passer en courant. Ah, d'accord. Ok, la mine c'est good. Ouais, j'ai deux cadenas de l'autre côté, c'est possible, je vais aller voir vite fait. Et après, je vais te montrer la caisse de matos que j'ai. Il y a du stock. Hein. J'en ai mis 4 dans l'armoire. Ah bah super. Dans l'autre armoire, tu prends ce que tu veux, il y a plein de balles et quelques armes. Dans la petite pièce. Et ben on va faire un cadenas. Voilà. On va faire un autre cadenas en argent. Et après on va aller chasser les vilains. Qu'est-ce que tu t'es mis comme spécialité? Je sais plus. Je sais plus, ouais, j'ai dû me pousser survie et puis ingénierie au max et puis rien foutre sur les autres. Ça marche. Donc je peux faire des balles et puis construire un peu, quoi. On a le même, c'est good. Je vais fermer l'autre porte là-bas. Hop, ah, tu sais que t'as laissé ton fusil à pompe par terre? Ouais. J'arrive. Tiens. La seule pause là. Attends, je te mets dans la caisse. Ah non, elle est pleine. Dans le coffre de la voiture. Voilà. Moi, quand j'ai fabriqué la base, j'ai perdu un AK donc. Je dépose un peu de bouffe là-dedans si t'en as besoin. Que j'ai pris dans le loot. Ça, je garde sur moi. Ça, je laisse ici. La mine, je vais la poser. Bouteille d'eau. Ok. Ouais, j'ai deux tours de rondin dans la base pour le moment. Il y a deux tours un peu partout. Plus les passerelles pour pouvoir regarder. Qui se passe, ça c'était obligatoire, c'est pratique, tout est double ou triple protégé. Enfin, je pourrais faire beaucoup mieux mais j'ai pas trop avancé là dessus. La mine, je vais la mettre au début. Je vais la mettre là.
T'as été voir dans l'autre meuble? Il y a plein d'armes dedans. L'autre meuble. Dans la pièce où il y a le lit. Attends, parce que je suis perdu. Ah, ça y est. À droite. Ah oui, le bordel. Il y a quelques petits trucs dedans, si t'as besoin, tu te sers. Ça marche. Attends, j'ai des balles de neuf à poser. Tu prends pas le fusil à pompe? Le tout neuf là? Si, mais j'ai ramassé celui que tu as. Ah, il y en avait un autre dedans. Ok. Bon, c'est bon, de toute façon pour l'instant. Là, je vais piquer le futal, ouais, parce que j'ai toujours le pantalon jaune là. Vas-y, sers-toi. Il y a des nouveaux items. Peut-être. Et nous, nouveau MP5. Ouais. Ouais, le MP5K, il va falloir que je le mette à jour quand même. Ouais. Je vais te montrer la caisse du Graal là. Et puis après on va se balader. Ça c'est par contre le mec qui met les... Comment dire? Attends, hop. Qui met les pelles sur le dos au lieu de le remettre dans le sac. C'est par là. Bon, comme ça tous ceux qui connaissent pas la... qui viennent de rejoindre le live, vous voyez le stock qu'on a. Le vrai stock il est ici. Le vrai de vrai. Donc on verra en live, on va s'équiper correctement. Mais il y a de quoi faire bobo là. En plus si on commence à faire des trios, on va pouvoir raid des bases. J'en ai trouvé une qu'on peut attaquer, il faut juste des balles de pompe. Allez, je te laisse découvrir ce qu'il y a dedans. Ouais, pas mal de trucs hein. T'as vu ou pas? C'est le Graal, ouais. Chacal a fait une crise cardiaque, il voit plus. T'es là, Chacal? On l'a perdu. Je vous avais dit que c'était pas une bonne idée de lui montrer le coffre. Il a fait une crise cardiaque. D'ailleurs, les petits fusils et tout, comme ça, il faudrait que je les enlève. Test. Ah, tu m'entends là? Là, ça y est, ouais. Ah ouais. Alors, bah, j'avais coupé mon micro et je parlais dans le vide. Ah ouais. Il y a un peu de stock, hein. Ouais, je disais les cochons, putain la vache. Ça j'ai fait ça tout seul pratiquement là. En quelques épisodes. Ouais. En fait, on multipliait les armes avec le glyph. Ouais ouais. Le glitch. Donc là on n'a pas trop le temps, mais je regarderai hors live, on pourra se faire des... Je pourrais t'équiper correctement. Ouais, bah, t'inquiète, je vais recommencer à chasser la zone et puis... Je vais aller faire un tour là dans la grotte là en dessous de la base là qu'à côté. Elle avait déjà été prise. Ah. Effectivement, j'ai pas tout fait solo, il y avait aussi Faz qui m'a aidé. Mais 90% du loot, c'est en faisant des... Bah, pendant les lives. Hein. Les bases militaires et tout. Là, j'ai dû déménager, c'était la galère dans l'ancien secteur. Ils ont fait me prendre la voiture. Donc, je suis parti.
Allez go, on va faire un petit tour à la base militaire, il me reste 30 minutes de live ce soir, maximum. En tout cas, si tu veux te connecter et tout, t'as vu où est-ce que c'est ouvert à peu près. Ouais, mais comme d'hab, on va... Ouais, on va multiplier les... Tu refermes et puis on multiplie les... Les planques. Voilà, les planques. Alors pour ceux qui n'ont pas connu à l'époque, Chacal c'était mon premier binôme. Voilà, et après il était un petit peu occupé, ce qui fait partie de la vie. Moi j'ai pas de vie, hein, je joue toujours à Scum. Et puis, donc voilà, ça me fait plaisir de le voir. Et du coup, enfin peut-être même des trios et ça va être sympa. Ça va être vraiment sympa. D'ailleurs, ça va bien. J'en profite si t'es dispo, puisqu'il y a un duo qui est prévu dimanche après-midi. Si t'es dans le coin, t'hésites pas, on commencera à 13h. Il n'y a aucune obligation. Okay. Ça marche. Et si t'es dans le coin. Ouais. Si je suis là, ouais, je me couvre, pas de soucis. Ouais. Hop, je suis en train de récupérer parce que le fait d'éterrer, j'avais plus d'énergie. Ouais, maintenant qu'on est deux. Tu l'as enterré la case d'ailleurs ? Ah oh merde! Si, je rigole. Si. Si, c'est pour ça qu'il avait plus de souffle. Hop! Allez, on va voir le bunker à côté. On va voir s'il n'y a pas un petit car 98 ou un truc dans le genre. Ou une petite lunette. À 2 ou à 3 ça va être marrant parce qu'on va sortir direct le véhicule. Parce que de toi à moi j'en ai rien à faire si on le perd. Je préfère le perdre en l'utilisant que me le faire voler au machin. Donc exactement. En fait il y a une base qui est juste à côté là-bas là. On va passer devant. Qui a des murs qui sont pas très très gros. C'est la gamme juste en dessous des miens. Et elle est habitée la base, donc il y a moyen qu'on la fasse péter. On a deux grenades et il faut que je farme des plaques de plomb pour faire des balles de pompe. On ira. Je l'ai vu la base, parce que je recherchais le bunker là où il y avait le canon. Exact. Eh ben, t'as dû passer à côté. Je l'ai pas trouvé, mais j'ai vu la base, mais j'ai pas retrouvé le bunker avec le canon. Par contre, j'en ai trouvé un petit un peu plus loin. Ah, ouais, un peu plus haut. Bah le bunker, il est pile en face là. Il est en face de cette tour. Ah ouais d'accord, ouais, pourtant je t'avais accompagné mais je me souvenais plus. Un arc à poulies, la première fois que je le trouve depuis que je fais 20 épisodes. Non. C'est LX qui est pas là ce soir qui l'avait commandé, ça y est, on l'a reçu. Les livreurs étaient en retard. Si tu veux jouer à l'arc, je peux te le passer hein. C'est bon, j'en ai un, garde-le. Regarde, il est juste en face le bunker. À côté sans le voir. Ouais. J'ai bien trouvé l'autre base, mais c'est pas le bon cas. Il s'essouffle vite le coquin. C'est surtout que j'ai la dalle là. Tu veux. T'as pris la bouffe que je t'ai mis dans le coffre ? Non, mais j'ai une miche de pain. Tiens. J'ai une miche de pain, t'embêtes pas. Ah, mais t'inquiète, le problème du pain c'est qu'il y a beaucoup de sel dedans. Ouais, faut boire. Il y a Frenchy qui dit Saint-Livre Chronopos, tellement ça a mis du temps à arriver l'arc. Je sais pas, c'est même un Colissimo le truc. Colissimo, c'est les seuls transporteurs où t'envoies un truc, tu pries pour que ça arrive à destination. Alors, bonne question. Est-ce que Chacal, tu as le skill pour faire les clés morts? Parce que ni toi. Enfin, ni toi, ni moi, ni Faz l'ont, et c'est un peu handicapant quoi. Ouais, je pense pas, parce que j'ai distribué les points entre la construction et les balles donc. T'as rien mis en démolition hein. En démo, non. Ouais, donc, non, pas de clé mort. Eh ben, on fera ça à la grenade et au fusil à pompe hein. Après, c'est pas grave, hein. Je refais un perso hein.
si vous, vous avez les constructions, je refais un perso et puis je le booste en démo. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être. Parce que Faz, lui, il a même l'engineering au max, donc il peut faire les gros murs en ferraille. Moi j'ai les balles et enfin, la survie et enfin comme toi exactement le même. Là il y avait les mines. Alors ce soir, snipe ou pas snipe? Ouais. Le chat est d'accord, c'est une super idée que tu fasses avec les morts, comme ça on va faire tout sauter quoi. On va faire sauter le serveur. Bien. Ouh, allez cadeau, tu peux viens chercher. Il y a une belle arme, toute belle, posée sur le lit. C'est le genre d'arme que t'aimes bien, ça en plus. Oh oui. Un petit nagant, ça fait toujours plaisir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé dans le même bunker, et ça c'est extraordinaire, attendez, il y a tous ceux qui sont là, qui ont l'habitude de me voir faire un live, là c'est la bonne idée, la chatte, voilà, la chatte de ouf. Tiens, je te mets un truc par terre, bon. Deux lunettes dans le même bunker le même jour, alors là, franchement si chacun il porte pas bonheur ce mec. C'est sûr, ça va pas durer. un truc de dingue. Ouais, on fera un silencieux. Ouais. Et du coup, j'ai de quoi réparer les armes, ça y a pas de problème. Ça marche à quoi ça? C'est des balles de SVD. 52, ouais. Alors je dois en avoir un tout petit peu. Ça franchement, je suis en galère de balles, mais on peut les fabriquer, c'est pas très grave. Attends, on va faire un tour à la base parce que j'étais passé devant un jour où j'étais full équipé, j'ai pas voulu m'approcher des murs. Ah mais en fait, les murs sont ouverts, la base a déjà été attaquée. Ah non, c'est un buisson qui est devant. Non, c'est pas ouvert, les deux portes sont fermées, j'ai déjà fait le tour. Ouais, alors non, le silencieux que j'ai, c'est le silencieux de M1, Géronimo, c'est pas le même. Je crois pas que ce soit le même, là il faut que je mette celui avec la bouteille en caoutchouc dessus. Alors attends, j'ai pas envie de me faire sauter. Couvre-moi, je vais faire l'astuce du coffre. Si ça se met rouge, c'est qu'il y a une mine. Et c'est verrouillé, ok. Là je vois le drapeau. Le drapeau est juste là. En plus il a fait qu'une couche de mur. Franchement, il n'y en a pas pour long à... Je pense qu'avec une clé mort ou deux, ça saute direct. Hein. Même au fusil à pompe, ça saute. Hein. Et petite là-bas, ça se trouve, il n'y a rien dedans. Je pense pas qu'il y ait grand-chose, ouais. Comme par hasard, il n'y a pas un seul trou. Enfin, c'est pas un hasard, hein. Le mec, c'est juste pas con. Hein. Je vois pas de véhicule dedans. Non. Et la tienne est fermée aussi, je suppose, la porte. Hein. Ouais. C'est verrouillé. Ça se trouve, y a rien du tout dedans. C'est juste fermé, quoi. Bon. C'est pas grave. Faut la faire sauter quand même. Ouais. C'est jamais. Non, regarde. Je vais te montrer un peu le secteur. Ouais, comme dit Francky, ça a l'air d'être une base de repli, tu sais, pour que ce soit assez si petit. Ça se trouve, les mecs viennent avec des véhicules quand ils vont loot le secteur, ils le mettent dedans et ils se barrent, quoi. C'est vraiment un truc d'appoint, quoi. Ça peut être ça, quoi. Vous savez ce qu'on va faire pour savoir s'il y a du monde? Prochaine mine, je la colle devant la porte. Pour voir si elle pète. Pour voir s'il y a du passage.
Ça sera un bon indicateur. On va fabriquer une mine, on va la poser devant. Elle est là l'idée. Ouais, finalement, j'allais dire qu'il y avait presque plus grand monde sur le serveur. Je t'ai croisé toi et j'ai tué un mec donc. Parce qu'au début, il était presque tout le temps full. Et là, ça s'est calmé. Prochaine mise à jour, on va y avoir les loups. Ça va être très compliqué là. Parce que les loups, ils sont hargneux. Hein. C'est simple, si t'as pas une arme, ils te bouffent, tu meurs. De la viande. Ah ouais, bah il faut pas que ce soit toi qui serve de viande en tout cas. Parce qu'il va être vraiment très très enragé. Les ours ils sont pas des... ils sont déjà pas commodes. Ouais non mais là le loup il t'attaque vraiment, c'est il te lâche pas. Hein. Ah ouais. Chacal il a faim ouais. Mais lui lui il est cuistot hein. Tu le laisses une soirée sur Scum, il revient le lendemain. Ouais, j'ai deux coffres entiers de bouffe, qu'est-ce que je fais là? On fait la fête des voisins. C'est ça. J'aime bien chasser des bêtes. Et bah, si tu veux, il y a une. Dans un des coffres, il y a une lunette de Hunter. Tu veux partir à la chasse? Ouais. Moi, je vais aller faire un arc. Aussi, ouais, c'est possible. Ça me fera monter, ouais, ça me fera monter le skill, tranquille. Alors, t'es peut-être plus au courant, mais maintenant on peut plus mettre de cadenas avec les points de fame. Hein. Les cadenas avec les points de fame, ça se faisait déjà avant, ouais. Non, mais on peut plus, on peut plus. On peut plus utiliser les points de fame. Ah bah, faut les crafter. C'est le seul moyen. Ouais. Ouais, si, si, au mois d'août c'était comme ça déjà. Ah, ok. Bon. Qu'on en avait une chier, je sais pas si tu te souviens. Oui, oui, oui. Dès que c'est sorti, c'est vrai. Et après, ils ont corrigé. Ah, on en avait, mais un volume. Il y en a, ils avaient fermé la moitié de la ville en C3 d'ailleurs. Oui. Bon, la dernière fois aussi, ici, il y a eu un. Un mec qui est mort sous mes yeux dans le truc militaire là. Il y avait une base ici, elle a disparu ou quoi là? Ah non, elle est en face. Il y a une petite cabane là. Je sais pas si elle est habitée. Ouais, il va pas rester longtemps là lui. Hein. Bah, disons qu'il est un peu suicidaire. Hein. Je disais l'autre jour, moi j'essaie de me planquer un petit peu quoi, histoire de pas me faire voler ma voiture toutes les semaines. Alors lui il s'installe, regarde, en plein milieu quoi. Alors, par contre il y avait pas les murs l'autre jour. Elle est ouverte. Ah ouais, il y avait pas ça l'autre jour, ça a été fait entre temps. Ouais mais elle est ouverte la base. Ah ok. Enfin je vois qu'il y a une porte ouverte, je vais aller jeter un oeil. Ou alors c'est un pan de mur qui est ouvert, ouais ouais, il y a que dalle. Il va y avoir un drapeau quelque part parce que... On va les verrouiller, il y a le drapeau dedans et une caisse en bois. Ouais, il n'y a rien quoi. Il y a deux lits, ils sont deux. Ah, c'est peut-être les deux mecs que j'ai shooté hein. Enfin, j'en ai shooté qu'un mais... Ils étaient deux hein. Par contre, ils sont culottés hein, de s'installer ici. Hein. Ça va pas durer longtemps. C'est belle. Ah oui, c'est la fameuse base. On va faire ça vite fait. Terminer le live du jour avec un petit peu de loot. Verrons-le. Là, techniquement, j'ai des visions nocturnes pour tout le monde. J'ai des AK-74 pour tout le monde. Ce qui manque, c'est surtout les accessoires. J'ai une M16 avec deux chargeurs.
Donc ça peut être utilisé aussi. J'ai une AK-74 avec deux chargeurs, donc ça peut être utilisé. Et j'ai plein de chargeurs d'AK-47, mais j'ai pas d'AK-47. À part celui que j'ai dans les mains. Remédier à ça, j'irai farm le bunker. Ouais, il est magnifique, je l'ai fait l'autre jour, bah c'est là où j'ai eu le barrette. J'ai le barrette, le silencieux, le chargeur et la lunette. Il manque plus que les balles. Putain, mais de ce que je me souviens, il allait bien, il va bien ce bunker. Il trouve beaucoup de matos dedans. Merde, je t'ai perdu. T'es où toi? Je suis en train de rentrer dans le machin, mais Ah, par le par le côté. bas. Ok. Oh, une batterie. Il me faut beaucoup de plaques. Des batteries, j'en ai deux en stock dans la voiture pour la démarrer au cas où. Mais des plaques de plomb, donc dès que je vois une batterie, je la pète. Ok. On va prier le dieu du loot. Vous êtes bien silencieux les amis. Vous êtes endormis? Ça y est. Voilà. On tous dodo. Et le bruit de la pluie, ça les endort. Oh putain, je me suis levé pisser devant le maker. Ah, Francky, il est là. C'est le seul qui est réveillé. On mate tranquille. Non mais c'est vrai, hein. Pas obligé de parler non plus. Hein. Y a pas de zombies, ça c'est pas très normal là. Ah, il y a le Frenchie qui était parti faire un petit tour aux toilettes. Ouais, viens de trouver un peu de loot, enfin des balles, mais c'est le genre de loot que des fois on laisse quoi. Ça veut rien dire pour le moment. Donc oui, maintenant pour faire des mines, il faut des stylos. Donc dès que tu vois un stylo, faut pas hésiter. Stylo, scotch, poudre, mais ça, scotch et poudre, on en a quelques-unes. Et surtout les stylos. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de, y a pas de Z, c'est pas normal. Oh, balle de M16. De toute façon, si on veut des balles de barrette, ça sera que dans les bunkers, ça. Peut-être qu'on se fera une sortie, peut-être pas dimanche, mais on prévoira une sortie à 3 avec le véhicule, on ira à la base navale. On planquera le véhicule quelque part. Ou on prendra 2-3 cadenas, on le mettra dans un garage en attendant. Nos copains méca, ils sont comment maintenant? Toujours aussi violents? Violent, mais ça bug un petit peu moins. Ah, Toujours aussi précis. là, y a du Z, hein. C'est moi qui tire. Fait, c'est pas que je suis feignant, mais j'ai aucune arme sur moi pour tuer les Z au corps à corps. Donc du coup, bah, 2-3 balles. Voilà, ils sont là, les zombies. Ouais, je pense que c'est une bonne idée de faire la base navale. À 3, ça va être cool, hein. Puis même faire des tours de map à 3. Un qui conduit, deux qui sont armés à partir de la chasse à l'homme. Ah, et un petit fusil à pompe. Oh non! Un MP5 SD, c'est une nouvelle arme ça. Ça, tu vas adorer. Ça, c'est typique pour toi, ça. Petit MP5 avec silencieux intégré. Elle est magnifique. C'était les subaquois qu'on utilisait. C'est ce qu'ils disent. Ah merde! Sub machine. C'est toi, ça? Ah ouais, c'est pour moi. Ah ouais, t'as pas perdu la main. J'ai pas perdu là, c'est sûr. Alors, à quoi servait l'arme? C'est quoi, pour tirer dans l'eau? Non. Ouais, subaquatique avec le silencieux intégré. Ils sont faits exprès pour tirer dans l'eau. Oh. Ça c'est. Alors, l'avantage de Chacal, c'est que c'est une encyclopédie de l'armée, lui. Aïe 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 aïe!
Non, meurs pas, hein. Je vais essayer. J'ai pris une balle. Une encyclopédie, il fait 15 ans, donc quand même... Ouais, c'est vrai. Il a fait 15 ans d'armée, hein, il faut le dire. C'est vrai, c'est vrai. Ah non, mais c'est clair, hein, ça là-dessus, incollable. Bah voilà, si t'aimes bien, j'ai un SD qu'il faudra réparer, mais c'est une belle arme. Il me suit. Le mecha ? Ouais. Oh putain. Il va me tourner autour du bâtiment. Il compte qu'il me court au cul. Hop. Il me mangeait une gifle. Laisse tomber. Si je peux tirer en coup par coup. Mais je vous avoue que je me rappelle plus de la touche. Et le problème c'est que si je prends un exemple, hein, je l'active au coup par coup. Le lendemain, je suis en PVP, j'ai oublié de le remettre en automatique et je tire qu'une balle au lieu de tirer une rafale sur le mec, je vais être dégoûté. Donc je préfère faire du coup par coup manuel. Oh, une mine antipersonnelle, ça fait plaisir ça. Je sais où elle va finir celle-là. Contrôle plus W. Là, je sais des combinaisons, mais... C'est sur toi que ça tire ? Oui. Oh ! Eh. C'est la soirée, je viens de trouver un AK-74. Attends, je vais te l'occuper, le... C'est celui du fond ou c'est celui du couloir, là ? C'est celui du fond, mais je suis dans le bâtiment, ah. Planqué derrière des combinaisons. Eh, ça commence bien, là. Oui, ça commence bien. AK, MP5, mine... Shift W, je vais regarder vite fait. Eh, vous savez quoi? Regardez. On va faire comme ça. Alors... Toi aussi ? Oui. Belle. Allez, on va se mettre un peu de musique. Shift N. Pas mal. Par contre, il dit pas si t'es en coup par coup ou pas. Oh là, là j'ai fait tellement de fois que je sais plus. Bon, tant pis. Il est en automatique, ok. Ah, du coup, ça fait 2 AK et MP5. C'est le U que j'ai, c'est la version commando. Ouais, j'ai le U aussi. Avec la crosse qui se rabat. Pour le zombie. Allez, rentre. Je vais me faire à la crosse. Tant pis. Ouais, je me balade avec une hache quand même dans le sac. Comme ça. Dès qu'il y a un petit Z. Alors maintenant les massues, tu sais les grosses massues, tu one shot tous les zombies. Hein. Je pense ouais. Par contre des coups de crosse, laisse tomber, maintenant t'en as pour une semaine. De balles. Bon, j'ai tué
3 zombies, j'ai utilisé que 6 balles. Ça va, je suis économe. Oh ouais, effectivement. Eh, c'est vachement bien fichu, hein. C'est moi, c'est moi. Ah, génial. Merci d'info, le Frenchie. Gracias. Bon, je vais passer sur les dortoirs en face. Ah, quoi que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, il faut que je rentre. Il est 22h26, ça fait 1h26 de live pour moi. Tu finis la base? Je te suis. L'outil. Je pense déjà à jouer avec le méca, donc. C'est bon. Je vais sortir par là où t'es rentré tout à l'heure. Merci le Frenchy, franchement, ça c'est de la bonne info ça. Y'a plein de caisses là, y'a plein de caisses, plein de matos là. T'as pas fait tout ce qui est ici là? Je vais essayer d'en faire 2 ou 3 avant de me casser. C'est sur le chemin, ça prend pas trop de temps. Il y a le méca qui redescend. Ah putain de merde. Balle de pompe. Pas pu les prendre. Ah là là, le deuxième. Oh non, tu vas le faire venir sur moi là. Ah bah non, je me rebarre vers la porte d'entrée. Eh, y a un sac à dos par terre. Chelou, un sac à dos dehors. Oui. C'est anormal. Ouais. Je vais venir avec toi là, on sait jamais. Y'a rien dedans, mais. J'ai récupéré. Il y a fait le méca qui remonte. Et même une radio. Ouais, c'est moi qui l'ai posé. Putain, mais elle est bien la musique. Attends, je la prends avec moi la radio. Malade ou quoi? Ah ouais, je l'aime bien cette musique quoi. Ah mais du coup, il garde la musique allumée dans le sac. Ouais, faut l'éteindre. Bah voilà, allez. En plus, c'est des musiques libres de droit d'auteur, ça. J'ai le droit sur le stream. Allez, les gars, c'est pour terminer la soirée. Direction la base, avec la radio Scum. Allez, on va s'ambiancer là. Tu t'entends la musique quand je cours là? Ah, c'est génial ça! Ah, c'est vachement cool avec la musique. Ça sert pas à grand chose d'être caché dans un buisson. J'avoue. Avec la musique à bloc. Putain, c'est génial. Ah, je vais garder une radio toujours sur moi, franchement. Et pour faire le DJ pendant un live, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'est top ça. DJ 7. End the mix. Ah, c'est ça que je vais faire. Je vais garder la radio sur moi, dès que je tue un mec, je pose la radio devant et je danse. Il n'y a plus de respect. Moi, si c'est lui qui me tue, je ferai moins le malin. Comme on faisait avant avec les autres gars, là,
Maria, j'avais mis une radio allumée à fond, des mines autour et filmant en snipe. Ah ouais, les petites radios, c'est pas le même qualité de son, hein. Là, c'est du Bose, hein. Ah, c'est la pub. Welcome to the Thunderdome, bitches. John Dick here inviting you to join in on the fun as our prisoners disembowel each other for fame, prizes, and yes, the sheer joy of it. We've got some interesting events for you to check out. Try your hand at Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag, or Cargo Drop. Let's get some music on to set the mood. Fais ça, c'est la radio de l'île, hein. Parce qu'il faut pas oublier le principe du jeu, c'est qu'on a été mis sur une île et qu'on doit survivre. Et du reggae, mon frère. Je crois qu'il y a un des viewers qui détestait le reggae, il a fait suicider la dernière fois en live. Allez, on va faire un petit peu sérieux pour terminer. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous, les amis. On est presque arrivé à la base. On va bientôt fermer. Donc c'est la minute de remerciement pour tous ceux qui me suivent régulièrement. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, je suis content d'avoir croisé Chacal. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir tout le temps que ça me démangeait. Et bah voilà, c'est tombé le bon jour, le bon live. C'est le Frenchy, il dit ramasse un peu d'herbe, ça va avec la musique, quoi. En gros, j'avais du reggae dans le poste à fond là. D'accord. Il y a peut-être des champignons hallucinogènes, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Ah ouais. Prends-en trois, ça va faire vibrer. Ouais, je vais essayer de pas mourir avant de rentrer à la base. Ok, on est bien. En tout cas, ça n'a pas été trop mauvais. On a fait un kill, une nouvelle invitation d'escouade, un quart de drop et du doute. Parce que là, j'ai un arc à poulie sur moi, un MP5 SD, un AK-74, une mine. Il y a Chacal qui a aussi un AK-74. Et le Nagant. Et le Nagant. Oui, et les lunettes de Nagant. Qui sont assez rares en plus. Donc franchement, si on fait ça toutes les soirées, on est bien. Franchement, on est bien. Donc prochain live, il n'y aura pas pour ma part avant dimanche 13h en duo ou en trio. Voilà, si on est en trio, on sort le véhicule, on s'arme jusqu'aux dents et on va chercher mettre la terreur sur le serveur. Si on est en duo, on ira cueillir des champignons. Voilà, notre soirée. Exactement, Francky. On est dans une émission de télé-réalité, c'est pour ça qu'il y a les caméras de temps en temps. On est des anciens prisonniers. Ils nous ont foutus dans une île. Et le but, c'est avec de survivre. Nabila. Avec Nabila. Et voilà. Exactement. Fais gaffe, elle met des coups de couteau, ouais. Ouais, Nabila. Ouais. Puis elle a le cul sale et tout. Quand tu déglingues Nabila. Ouais, c'est cool ce soir. Ah, il y a des vidéos un peu sérieuses, des vidéos un petit peu plus drôles, hein. Faut proposer du contenu, Francky, faut changer de temps en temps. Il y a des vidéos où je suis totalement malade, comme en début de semaine. Voilà. Au moins, il n'y a pas de montage. Je fais presque que du live. Si je réussis, bah, c'est en live. Si je foire, c'est en live. Mais en tout cas, au moins, tout est sincère et véritable. Et là, on va poser les 2-3 rondins qui vont bien. Tu veux te vider avant ou pas? J'ai une caisse déjà. Ça marche, ça m'étonne pas de toi, ça. Tu me diras du coup si tu fais le personnage ou pas. Tu faudrais pas que tu oublies de retrouver ta caisse. Alors, il n'y a pas d'urgence aujourd'hui, hein. Non, mais on le fera, on le fait la prochaine fois qu'on se co et puis. Ça marche, je te réinviterai et tout. Ouais, comme ça je me vide, les caisses je sais où elles sont de toute façon. Donc, Tu sais qu'à chaque fois que je passe dans le village où on avait la grange, ça me fait penser à quand on jouait sur l'autre serveur là.
Bon, et bah là, ouais, alors, on peut plus reconstruire dessus maintenant, c'était corrigé, mais c'était cool. Sur les toits, on peut plus construire? Ah non, et tous les bugs, ça a été pas mal corrigé. Ok, là ça rentre. Je vais me déconnecter dehors, je vais couper un arbre. Je crois que j'ai pas de scie. Je vais chercher les troncs de... Ah bah non, j'ai ma caisse. Et oui, la caisse que je laisse ici dans le couloir, en fait, elle est devant une mine. Ça attire les gens, mais il y a des rondins dedans. Hop. Il y avait. Non, ils sont là. Tac, on range tout ça. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je rallume la radio pour terminer le live. Yeah. Oula, la musique de Lover, là. On va couper. Je fais pas une soirée aux chandelles. Et puis très bonne soirée à tous, merci encore à Chacal. Je sais que lui il va saigner le jeu toute la soirée et je le sens chaud là. il rigole mais il sait que j'ai raison. Oui, bah ouais, après 3 mois de pause. D'abstinence, exactement. Et bah écoute, ouais. Merci à toi encore, merci à tous les viewers, merci de votre bonne humeur. La vidéo sera en live sur YouTube pour ceux qui ont loupé une partie. Et puis à dimanche 13h pour tous les motivés. Ciao les amis, portez-vous bien.